Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo update du PC Gamer 2023. Si vous vous souvenez, on l'avait fait en 2021 et les années précédentes. En général, toutes les 1 à 2 années, j'essaye d'updater le PC. Et du coup, je le fais ici en vidéo parce que régulièrement, en courant d'année, j'ai des messages privés ou des commentaires qui me demandent d'une part, quelle configuration j'utilise. Donc là, en général, je vous renvoie sous les commentaires des vidéos où tous les composants sont listés. Et puis, j'ai d'autres questions sur, tiens, si tu avais le temps ou le budget, qu'est-ce que tu changerais dans ta configuration pour le faire évoluer, d'où la raison de le faire ici en vidéo. Je vous montre vraiment de quoi on part. Ça, c'est le setup 2011 que j'utilisais jusqu'à aujourd'hui. Ça sera, si tout va bien en fin de vidéo, le setup 2023. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier deux partenaires très importants pour Objectif Racing qui nous suivent maintenant, depuis de nombreuses années. C'est Intel et Cooler Master, sans qui cette vidéo ne serait pas possible. Cooler Master, pour ses boîtiers toujours fous qui nous envoient. Ici, le AF 700 qu'on va regarder ensemble. Un petit goodies en plus qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps, on en parlera en cours de vidéo. Et puis il y a ceci, c'est toujours un peu ingrat de présenter un CPU, c'est tout petit, on voit rien en image, mais ça c'est vraiment la puissance pure du côté de chez Intel, c'est le 12900K, je vous expliquerai un petit peu pourquoi on est parti sur ce modèle là. Alors au niveau du matériel, on va commencer par parler de tout ceci et ceci, le CPU, avant de s'attaquer au boîtier, parce que croyez-moi le boîtier, je vais avoir besoin de place, donc ça m'arrange de évacuer au fur et à mesure. Alors ici, on va parler du CPU. Alors on est donc resté du côté de chez Intel pour cette update. On est sur le 12900K. On était sur le 10900K sur celui-ci. Donc j'ai un petit peu comparé les versions, même s'il y a déjà deux générations de différence. 10900K, 10e génération, 12900K, 12e. Et maintenant, on est à la 13e génération. On en parlera à la fin. Pourquoi on est parti sur le 12900K? Alors les grosses différences ici entre le 12900 et le 10900, eh bien il y en a quand même quelques-unes. Au niveau déjà de la 12e génération a introduit en fait un concept qui est le concept des cœurs efficients et des cœurs performants. Sur ce CPU, on a 16 cœurs. On a 8 cœurs qu'ils appellent donc efficients et 8 cœurs performants. Les cœurs performants, eh bien, c'est comme leur nom l'indique, consacré à la performance du gaming. Vous faites du traitement d'image, vous faites du montage vidéo, vous faites des choses un peu lourdes qui demandent des calculs et de la puissance, eh bien, ça va utiliser les cœurs performance. Les cœurs efficients, ça va plus pour être, par exemple, pour faire tourner, si vous utilisez le navigateur, si vous ouvrez un document Word, si vous faites tourner, par exemple, des softs de timing comme RaceLab ou ce genre de choses là en course, il n'y a pas besoin d'aller harceler un corps qui aurait pu faire de la performance avec des petites requêtes qui ne servent, entre guillemets, à pas à grand chose. Autant donner ça à des cœurs qui sont justement dédiés sur des plus petits processus. C'est un peu l'idée de ces doubles cœurs. Ici, on n'avait pas ça sur le 10900K. Il avait 10 cœurs, point barre. Ici, on est quand même à 16 cœurs, donc c'est déjà un update supplémentaire. Premier point important. Deuxième point important, le nombre de threads. Alors, pour résumer un peu, parce qu'on n'est pas sur une chaîne technique, on n'est pas là pour commencer à exposer 50 000 chiffres. On a 24 threads ici, on en a 20 de mémoire sur le 10900K. Les threads, c'est un peu les canaux de communication. On va dire que voilà, c'est pour simplifier, c'est le nombre de requêtes qu'on peut envoyer. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est en tout cas le nombre de canaux sur lesquels on va pouvoir échanger et le nombre de tâches qu'il va pouvoir effectuer. En résumant, très très vite, pour ceux qui sont aficionados de la technique, je suis tout à fait conscient qu'on simplifie, mais on n'est pas là pour trop complexifier. Donc 24 threads ici, 20 threads sur celui-ci. Alors ici, cette 12e génération s'appelle l'Alder Lake. Cette 10e génération, c'était le Comet Lake, juste pour la petite information. Sauf que le Alder Lake a la particularité maintenant d'être gravé en 10 nano, là où les 10900K étaient en 14 nano. Vous allez me dire là encore, oui, c'est un chiffre, on s'en fout. Oui et non, ça explique en fait tout simplement qu'en étant gravé beaucoup plus petit, tous les transistors vont être beaucoup plus denses, ils vont avoir moins de dissipation thermique, moins de consommation. Donc ça explique en fait que pour un fréquençage qui était de 3,5 GHz sur le 10900K, alors qu'ici, si vous regardez les fiches techniques, vous allez voir que 3,2, donc 3,5, 3,2, vous allez dire, ah, celui-ci, il est moins puissant. Non, pas du tout. La fréquence, c'est une chose, mais la capacité technique de calcul, justement, va être améliorée grâce, entre autres, au fait d'être gravé en 10 nano. Donc, il est en fait beaucoup plus puissant. Si on regarde un peu les statistiques entre le 10900 et le 12900, on devrait normalement avoir une évolution entre plus
20-25% en moyenne dans les jeux. On verra, c'est ce que ressort des statistiques, il y a eu quand même pas mal d'essais qui ont été faits jusqu'à maintenant. On verra si on le constate aussi en sim racing, on testera sur racing, sur Assetto, on ira tester du DCS et du Fly Simulator pour ceux qui ont envie de voir un petit peu d'autre chose que de la voiture. Mais voilà, normalement, un beau gain de performance. Autre chose qu'on peut dire sur ce 10900K, c'est que il accepte la DDR5, la mémoire DDR5. Donc jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre vous étaient en DDR4. La DDR5 est sortie il y a un ou deux ans déjà. Elle était juste hors de prix. Ça commence à se démocratiser. Eh bien, sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez très bien travailler en DDR4 et récupérer la DDR4 de votre PC et switcher un peu plus tard en DDR5 sans devoir tout rechanger. C'est l'intérêt aussi du 12900K. Pour ma part, je suis resté en DDR4, on verra aussi pourquoi, mais à terme, je passerai de toute façon à la DDR5 comme tout le monde. Autre intérêt également du 12900K, c'est qu'il accepte dorénavant le PCI Express 5, qui était deux fois plus rapide que le PCI Express 4, et ici, sur le 10900K, on était en PCI Express 3, si vous me suivez. Donc, en gros, celui-ci utilise, en fait, est 4 fois plus rapide que le PCI Express 3. Donc, c'est déjà un petit gain supplémentaire. Alors ici, j'ai parlé un petit peu des points principaux. Il y en a un dernier, oui, je regarde. Ok, j'ai un copion, j'avoue, parce qu'il y a tellement de choses techniques à vous dire par rapport à ce 12900K que je ne pouvais pas tout faire de tête, ou presque. Par contre, ce qui différencie aussi le 12900K du 10900K, c'est un dernier point, c'est la mémoire cache. La mémoire cache, c'est tout simplement une zone tampon entre le CPU et l'ensemble des autres éléments du PC dans lequel on va pouvoir stocker des données et échanger très vite et répondre instantanément quand voilà, la carte graphique ou la carte mère demande quelque chose. On y stocke vraiment les informations qu'on va délivrer vite. Donc 30 mégas par rapport à 20, eh bien ça fait un tiers en plus. C'est toujours ça de prix. Alors 12900K, vous allez me dire oui, mais il y a le 13900K, pourquoi tu es parti sur 12900K? Pour plusieurs raisons. Première raison, eh bien vous allez tout simplement faire le calcul avec moi. Je regarde le copion pour pas dire de bêtises. Voilà, c'est 560€ le 12900K. J'ai l'impression d'être Pierre Belmaz. 560€ seulement. Non, mais sérieusement, 560€ le i9. 12900K, le 13900K est à 760€. Vous allez me dire, ça fait quand même 200€ de différence. Eh bien, en gros, vous prenez ces 200€ là, vous les mettez dans une bonne carte mère et vous changez pour 700-750€ votre PC quand même pour avoir quelque chose de boosté à fond. Donc, pour ceux qui ont le budget, bah oui, certes, partez vers la 13e génération. Pour les autres, les 12900K et la 12e génération sont vraiment une très très bonne opportunité. Donc pour ma part, moi ça me convient. Et comme je le disais, je suis déjà super satisfait du 12900K. 25% de puissance en plus, c'est le rêve. Donc pour avoir 25 ou 35, 40, ça ne changera pas grand chose. Je vais vous avouer que franchement, c'est déjà vachement bien. Voilà, on a fait le point au niveau du 12900K. Il y a quand même pas mal de choses à voir ici. Donc on va accélérer un petit peu et regarder le restant du matos. Alors on va s'attaquer maintenant ici au... Alors ça, je vais le mettre de côté. Au water cooling. Alors hop, on va le prendre ici. On reste bien entendu du côté de chez Cooler Master, ici avec le Master Liquid ML360 Illusion. Pour ceux qui avaient déjà regardé l'essai en 2011, j'étais parti du côté Cooler Master pour le water cooling pour plusieurs choses. Et c'est la raison aussi pour laquelle je reste ici sur ce système, parce que tout simplement j'étais convaincu. Et je n'ai pas rechigné à partir du moment où ils m'ont dit je te l'offre, et bien avec grand plaisir, parce que c'est du super bon matériel. Dans la configuration actuelle, j'ai le même genre de configuration, bien entendu, avec deux ans de recul. Mais en gros, le gros avantage du water cooling de chez Cooler Master, c'est que c'est du plug and play. Ce genre de modèle-ci avec la pompe intégrée, le radiateur et les ventilos, moi j'apprécie beaucoup parce que honnêtement, vous le déballez, vous pluguez directement la pompe sur le CPU, il y a déjà limite la pâte thermique dessus. Enfin là, je m'avance un peu parce que comme vous voyez, il est encore sous cellophane, je ne l'ai pas ouvert, mais en général, c'est déjà super, super bien prêt. Vous le pluguez dessus, vous vissez, vous allez fixer le radiateur ici dans le haut de la tour. Et c'est fait, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Vous avez le RGB qui vient se brancher soit sur le boîtier, soit sur la carte mère. Donc c'est vraiment du plug and play que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'il a de particulier ici, ce ML360? J'ai envie de dire, alors c'est un peu comme souvent avec Cooler Master. Ici, j'ai regardé la fiche technique du produit. La pompe est faite de manière à tenir dans le temps et ne pas avoir de corrosion. J'ai envie de vous dire, c'est déjà le cas avant. Donc c'est un argument sur le long terme avec eux. Moi, la pompe ici que j'ai jamais dû changer de quille, jamais dû l'ouvrir ou quoi que ce soit. C'est le but d'un système comme ça, c'est que ça tourne
sans avoir à être modifié. Il est super silencieux, en tout cas l'ancien modèle, donc j'espère que ça sera le cas ici, on en parlera en fin de vidéo, mais ça annonce du bon. Donc la pompe silencieuse et anti-corrosion. Au niveau du radiateur, ils ont revu un petit peu celui-ci par rapport aux anciens modèles. Les anciens modèles, j'ai envie de dire, ça se rapprochait un petit peu d'un radiateur de voiture, vous savez, avec tous les petits croisillons ou les nids d'abeilles. Ici, ça a l'air d'être un petit peu différent. On l'ouvrira ensemble, vous le verrez dans la vidéo, je ferai des gros plans. Et puis, vous avez trois ventilateurs en 120 mm RGB. Donc ça, faut quand même avouer que ça rend quand même vachement bien dans le PC quand c'est bien mis en valeur. Donc ça, c'est chouette. Et de nouveau, qui seront soit configurables directement via la carte mère, soit via les softs de Color Master pour gérer les couleurs. Tout ça, on testera live. Un très très chouette produit, du coup, qu'on va monter dans cette bécane. Allez, suivant. Ici, cette année, j'ai décidé de tester les Renegade Fury. Donc ça, vous les retrouverez sur tous les sites habituels, LDLC, Amazon, Material.net et compagnie. Renegade, j'ai jamais testé, très bonne réputation. On est parti ici sur du 3600 CL. Alors, je ne dise pas de bêtises, j'hésite entre le 12 et le 16. On est sur du CL16. Alors, je vous invite à aller voir les chaînes un peu plus techniques pour pourquoi prendre du CL16 plus petit, plus grand, pourquoi prendre du 6600 MHz. Ici, voilà, on est parti en tout cas sur un kit 2x16, donc il y aura 4 barrettes au total pour 32 Go. On va passer de 16 à 32. Pour ma part, 16 est encore bien pour l'instant. Maintenant, honnêtement, une fois qu'on commence à faire beaucoup de montage de 3D, genre de choses là, c'est jamais assez, donc on monte, on monte, on monte. Ici, on partira sur les 32. Et non, j'ai des bêtises, j'ai 32. 2x32, donc de 64. Là, on était en 32. 64 Go du coup. Alors, on a parlé du CPU, on a parlé du water cooling, on a parlé de la RAM. Donc, on va parler maintenant de ce qui réunit tous ces éléments. Eh bien, c'est la carte mère. Alors, dans ce cas-ci, on va pas épiloguer 2 heures, tout simplement parce qu'on ne sponsorise pas la vidéo. Non, je rigole, mais en gros, on est chez MSI avec la Pro Z690A DDR4. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? D'une part, ce qui est plutôt bien, et vous allez me dire, c'est logique, elle accepte le 12900K, donc la 12e génération des CPU Intel. Elle accepte également chance la 13e génération de chez Intel, donc ça c'est un point positif. C'est une carte milieu de gamme qui a en fait très très bonne réputation et qui se positionne presque dans le haut de gamme d'après les différences essais que j'ai vu, mais niveau prix elle est très raisonnable et elle tourne donc en DDR4, mais la 13e génération d'Intel étant acceptée, elle restera quand même sacrément évolutive. Elle est également compatible, comme on le disait, avec le 12900K en PCI Express 5, donc on va pouvoir tirer parti au maximum des cartes graphiques qu'on va brancher. Bon, vous vous en doutez, il reste un élément sur la table, c'est ceci. Et ceci, c'est le fameux petit goodies dont je vous parlais en début de vidéo. C'est un nouveau produit qui a l'air d'être assez sympa, sorti par Color Master. Vous allez me dire, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un crochet, un support, vous l'appelez comme vous voulez, qu'on peut fixer sur le PC pour tenir une manette, un casque ou ce genre de choses là. Donc on va pouvoir venir le clipser sur des parois vitrées, sur des parois métalliques en bois. On testera ça en fin de vidéo, mais voilà, c'est un petit truc en plus qui était dans la boîte, et je remercie du coup Color Master, et on en profitera pour regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors ce PC, pour le moment, vous l'avez sûrement vu à l'époque quand j'avais fait l'essai, il y a une RTX 390 dedans depuis maintenant quasiment 2 ans, si pas 3. J'avais eu la chance de la prendre juste avant les pénuries qu'on a connues avant le Covid, et du coup la 390 est toujours une carte au top. Donc la 390, on la récupère, elle ira dans la configuration 2023. C'est une Tough Gaming. Voilà, je cherche le nom. Tough Gaming 390, super carte, aucun souci à ce niveau-là. Autre chose, ici, j'avais et j'ai toujours ici une 370. Très bonne carte aussi, bien entendu, sacrément en dessous en termes de performance par rapport à une 390, mais elle est ici à disposition, je ne l'utilisais pas. On la chargera aussi ici dans le setup. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir deux cartes graphiques? Eh bien c'est simple, quand on travaille en 3D, si on a deux cartes graphiques, on peut tout simplement dispatcher des rendus sur les deux cartes et travailler en même temps, où il y en a une qui peut travailler pour un rendu pendant que l'autre fait le travail visuel. Donc moi, ça m'intéresse d'avoir deux cartes dedans pour soulager un petit peu. Et puis également aussi, c'est con, mais comme on va faire un petit peu plus de live ici en 2023, il y a des choses d'ailleurs très très chouettes qui arrivent. Je ne peux pas vous en parler maintenant, mais dans les semaines ou les mois à venir, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va sortir, et donc on fera plus de live. Et l'idée, comme je suis en VR, je suis obligé de streamer avec le PC sur lequel je joue en VR, je peux pas envoyer le flux à 50 endroits, donc j'aurai la 390 qui travaillera pour la VR et la 370 qui servira tout simplement à la compression vidéo sur OBS par exemple pour envoyer le stream. Donc d'où l'idée d'avoir deux cartes graphiques.
Dans cette configuration-ci, ce qu'on va également récupérer, ce sont les disques durs. Il y a 2-3 disques durs. J'ai des M2 donc, qui se pluguent directement sur la carte mère. Je pense qu'il y en a un ou deux. Deux, je pense. Il y a des SSD format standard qu'on récupérera, qu'on ira remettre dedans. Et alors, dernière pièce, mais qui est cachée ici en dessous, que je ne sais pas vous montrer maintenant, mais vous l'avez vu en 2011, eh bien, c'est l'alimentation. Je reste aussi du côté de chez Cooler Master. C'est une 1200 watts. Et on va bien avoir besoin de ça pour faire tourner les deux 3000. Donc voilà un petit peu dans l'idée, tout ce qu'on va passer de ce PC-ci à ce PC-là. Mais vous voyez qu'il y a quand même déjà bien 70% du matériel qui change, mais il y a quand même des choses à récupérer. Allez, je vire ceci de la table et on s'attaque au AF700. Bon, ben, on va pouvoir s'attaquer maintenant à la bête. Et quand je dis la bête, c'est vraiment le cas de le dire. Chez Cooler Master, ils ne font pas les choses à moitié. Je vous avais déjà dit ça là, il y a 2 ans quand j'avais eu le C700P, qui était le boîtier que je vous ai montré tantôt, qui est toujours au top, qui est d'ailleurs, je crois, toujours vendu, et franchement, c'est des super beaux boîtiers. Et bien ici, quand j'ai fait le tour de celui-ci, je ne suis pas déçu non plus. Mais comme le C700P, il faut vous attendre à vous faire un petit peu de muscle. C'est 20 kg le boîtier à vide. Alors imaginez, quand vous rajoutez les cartes graphiques qui sont de plus en plus lourds, les alim et compagnie, ça fait une belle bête. On va faire le tour ensemble de celle-ci. Je vais vous présenter d'abord la partie avant. Ce qui flash, bien entendu, ici à l'avant, ce sont les deux énormes ventilateurs. Ce sont des 200 mm. Vous allez voir en fait que le AF700 il est décliné en deux versions. Il y a le AF700 et si vous allez voir sur Cooler Master, le site internet, vous verrez le AF700 Evo. Ce qui change, globalement, la structure reste la même, mais la face avant change avec des lamelles en plexi et un petit écran digital pour ceux qui préféraient. Pourquoi pas? Mais celui-ci est vraiment déjà vachement chouette avec donc les deux grands ventilos en 200 mm. Ici, le mesh en acier protégé avec les deux montants principaux verticaux. On a le petit logo Cooler Master qui est stylisé, Cooler Master écrit ici en dessous. On a au niveau des USB ici 4 USB 3.0 plus un USB type C. Ici, du côté droit, on a le bouton reset, le bouton power, la fiche micro et la fiche du casque. Ça, c'est pour la partie avant. Alors, on va regarder un petit peu. Hop là, on va se faire des muscles. Et je le tourne vers vous. Je le tourne un petit peu vers moi quand même pour voir. Alors, particularité de ce boîtier, comme toujours chez Cooler Master, eh bien, ils savent faire des très très belles faces. On voit ici qu'on a vraiment un super bel arrondi dans la vitre. Donc, du verre trempé, assez résistant normalement. Je ne vais pas tenter de mettre quelque chose dedans, mais normalement, c'est quand même du solide au niveau de l'épaisseur. On a ici sur le dessus, je vais le tourner vers vous pour que vous puissiez bien voir, au-dessus, on a une grille avec un mesh de nouveau. Et c'est ici donc on va venir placer le water cooling qui enverra directement vers le dessus la chaleur. Au niveau de l'arrière, on a donc des 120 mm. Alors on a 200 mm à l'avant qui aspirent, qui font rentrer l'air dans le boîtier. On en a ici en dessous, on regardera un petit peu après, qui aspire aussi. Et donc il faut bien sortir cet air chaud. Donc il va sortir ici avec les 120 mm et avec le water cooling qui va expédier ça vers l'extérieur. On a ici 8 slots disponibles, on le verra également lors du montage. La zone pour venir mettre très facilement l'alimentation. Et puis hop, si on tourne de l'autre côté, on a juste une face, voilà, une face plutôt propre, mais là aussi de nouveau avec des mèches à l'intérieur, plus ici des découpes un petit peu design dans le boîtier pour pouvoir aérer un petit peu le tout. Allez, c'est parti, on ouvre celui-ci, je vais le tourner vers vous pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça fonctionne. J'oublie une chose importante et pourtant je l'ai fait juste avant, il y a une vis ici derrière, une petite vis. Voilà, du coup, là ça va être tout de suite beaucoup mieux. Donc on fait sauter le panneau du dessus. Le panneau sur le côté, il va tout simplement se décaler. Voilà, il se décale, on a juste à le soulever. On va aller mettre ça en sécurité un petit peu plus loin. Il y a une poignée ici en dessous. Voilà, hop. On y arrive, on ne casse rien. Voilà. Bon, il faut juste comprendre comment ça marche la toute première fois. Du coup, ici, on a voilà. La face avant, comme on disait, c'est propre, c'est simple. On va la mettre de côté. Tout ça est mis de côté, on a le boîtier à nu. Alors, comment ça se présente? On a donc ici la possibilité de venir mettre des ventilateurs de 120.
On voit qu'il y a déjà un ventilateur de base dans le boîtier. Vous aurez la possibilité d'en rajouter d'autres si vous le souhaitez pour aspirer de l'air en plus des 200 mm. Ici, on a la possibilité de mettre quasiment toutes les cartes mères du marché, les mini, les ATX, les machins. Je ne vais pas toutes vous les lister. Regardez pour ceux qui sont intéressés par le boîtier sur le site de Cooler Master, parce que la liste est longue comme mon bras. C'est un peu pareil pour tout. Ce sont des boîtiers qui sont assez customisables, donc que ça soit pour les cartes mères, que ça soit au niveau des disques durs, que ça soit au niveau des périphériques, vous pouvez quasiment faire rentrer tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt un point positif. On voit que suivant la taille de la carte mère, on a également accès très facilement à l'arrière du panneau, que ce soit avec les caches ici, les mousses. Si vous avez une carte mère qui vient un petit peu plus loin ici, bah vous utilisez les entrées par ici. Si elle est plus petite, vous pouvez passer par là ou même, pourquoi pas, ici. Donc l'accessibilité est plutôt pas mal. On n'a rien du tout dans le chemin, donc on peut venir y mettre très facilement sa carte graphique ou ses cartes graphiques. Et pour ceux qui ont envie de jouer à avoir les cartes graphiques à 90 degrés par rapport à la carte mère, eh bien vous voyez que vous avez quand même pas mal de place. On va aller faire un tour du côté arrière. Alors, au niveau de l'arrière, ce qui est plutôt propre, c'est que ici on a donc l'accès, hop, juste en tournant, au panneau disque dur. Donc vous pouvez facilement venir fixer les panneaux de disque dur, faire passer les alimentations ici sur les fentes sur le côté. Rien ne sera visible du côté frontal, ça c'est plutôt propre. Pareil ici, du côté de ce panneau-ci, on voit qu'on a déjà des attaches caoutchouc si on souhaite venir fixer certains disques durs ici collés directement dessus. Et si on fait sauter ce panneau, là, c'est là que, voilà, il y a même encore tous les câblages qui est d'origine. C'est là, ici, qu'on va pouvoir cacher bah, tous les fameux câbles, le câble management en général, que ce soit pour les disques durs, l'alimentation qui sera ici et qui va donc pouvoir envoyer par les différents trous eh bien, l'alimentation à la carte mère, au CPU ou aux autres périphériques qui seraient branchés sur le PC. Donc tout ça va pouvoir être rangé ici et puis caché au final avec cette plaque-ci et puis avec la plaque qu'on a retirée tantôt. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que c'est, voilà, ça permet vraiment de foutre entre guillemets le boxon ici. Ça ne se verra pas. On voit qu'il y a quand même pas mal de place. C'est très dégagé. Il n'y a pas 50 montants, donc ça, j'apprécie beaucoup. On verra au montage ce que ça donne, si c'est simple ou pas. Et alors ici, en faisant sauter le petit loquet, on a accès directement à un espace pour venir fixer en fait ces disques durs. Donc on peut venir fixer des disques durs type SSD, entre guillemets les petits ou alors les plus grands, et vous avez ça sous forme de rack. Donc ça, c'est vachement sympa aussi. Vous pouvez le faire, hop, le retirer si vous le souhaitez, et à partir de là, vous avez vraiment accès à tout l'arrière du panneau. Voilà, je pense que globalement vous avez vu un petit peu comment ça se présente, donc on va passer maintenant au montage. Dernière petite chose pour ceux qui aiment l'RGB, il y a ici un beau petit panneau avec l'ensemble des LED qui sont déjà branchées, les LED des ventilos ici, et vous pourrez en rajouter d'autres. Je vois qu'il y a quand même des slots de libre, donc il y a de quoi faire. Donc tout se situe ici, ici. On va tester tout ça, on va commencer le montage vidéo.
résultats, je pensais vous faire un comparatif avant-après sur deux points. Le premier, c'était la température des composants, CPU, GPU, ceci afin de mettre en avant les performances d'une part du water cooling de Cooler Master, d'autre part la circulation d'air dans le boîtier, mais force est de constater qu'il n'y a pas de grosse différence entre le avant et le après. Bon, ce qui laisse tout simplement suggérer que mon installation précédente était déjà assez performante, c'était déjà du Cooler Master et qu'elle faisait donc a priori plutôt un bon travail. Donc il n'y avait pas de différence réellement entre cette nouvelle installation et l'ancienne, donc inutile d'aller plus loin pour ce cas de figure là. Concernant les GPU, on pourrait croire que le fait d'avoir deux cartes aussi proches l'une de l'autre, ça va faire augmenter la température de l'ensemble. Eh bien, il n'en est rien. Dès le moment où elle monte un petit peu en température, le boîtier passe en ventilation plus forte et directement la température se stabilise sans jamais dépasser les 83 à 84 degrés au niveau du GPU. Le tout avec les ventilateurs du boîtier qui tournent à peine à 50%, ce qui a priori laissera de la marge en été lorsque les températures de ma pièce monteront. Du coup, il me restait le comparatif de performance, et là encore une chose est entrée en ligne de compte dans ce test. Cette review est intervenue en même temps que mon test du tout nouveau casque Pimax qui sortira très bientôt. D'ailleurs, petite exclu, vous retrouverez ici même sur cette chaîne pas mal de reviews dans les jours à venir, donc pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour en revenir aux résultats, eh bien mes settings graphiques n'ont cessé d'évoluer entre le avant et le après. Je devais sortir toujours plus d'images en grande résolution pour satisfaire le Pimax, mais au final, le résultat est sans appel. Malgré la charge de calcul toujours plus grande, j'ai senti un énorme boost au niveau des performances. Aussi bien dans des jeux gourmands comme ici, DCS qui tourne en arrière-plan avec la super bande annonce du futur F-15 Strike Eagle. D'ailleurs, F-15 Strike Eagle qui va sortir sous peu et qu'on aura plaisir de découvrir ici en live si ça vous dit. Mais également au niveau de Flight Simulator, connu pour être très très gourmand en termes de ressources. Et lui-même a été sacrément boosté via l'Intel i9 12900K couplé à la RTX 390. Et ça m'a permis d'avoir une expérience gaming vraiment incroyable entre le PC ultra puissant et le nouveau Pimax. Je ne vous en dis pas plus. Au niveau du sim racing, j'ai testé actuellement et principalement iRacing qui comme toujours se montre très peu gourmand au niveau des ressources, et là encore j'ai pu booster l'FPS sans difficulté et même réactiver 2-3 options que j'avais pris soin de désactiver il y a quelques semaines et qui parfois posaient problème de nuit, comme par exemple les Night Shadow. Donc en somme, j'ai envie de dire mission réussie pour cette update du setup, le boost est conséquent et offre vraiment une puissance plus que bienvenue pour un joueur en VR comme moi. Allez, pour finir cette vidéo, on va parler j'aime, enfin pas les j'aime que vidéo, voire celles de mettre en dessous de leur vidéo, ça je suis sûr que vous l'avez déjà fait pour cette vidéo, mais le fameux j'aime de Cooler Master présenté en début de vidéo. Rapide présentation de ce petit accessoire original qui pourrait trouver utilité dans le setup de chacun au cas par cas, puisqu'il peut soutenir aussi bien votre casque audio, votre manette de jeu, votre GSM ou pourquoi pas vos gants sim racing. J'ai également testé les volants sim racing, alors pour ceux qui sont un petit peu joueurs, pourquoi pas, l'aimant tient sans aucun problème, néanmoins aller mettre un volant aussi proche d'une paroi en verre de mon PC, personnellement je ne tenterai pas, mais c'est jouable, ça tient. L'installation se fait comme vous le voyez super facilement. Un aimant d'un côté, le crochet de l'autre et le tour est joué. Donc vous pouvez le déployer aussi bien sur des parois vitrées que d'autres parois plus fines. L'aimant va faire action. Et puis si vous souhaitez l'utiliser sur une surface métallique, là encore rien d'autre à faire qu'à approcher de la surface sans même détacher dans ce cas-là la partie arrière. L'aimant fera son job et ça va se coller super fort. Donc voilà, c'est un petit accessoire au final assez sympa pour ceux qui en ont l'utilité, qui est vendu sous la barre des 30€ en magasin. Voilà qui achève cette review, particulièrement longue, je vous l'accorde, et j'espère surtout complète. N'oubliez pas de lâcher les pouces bleus, vous abonner pour suivre d'une part les prochaines reviews, dont le Pimax Crystal qui arrivera très bientôt, mais également pour découvrir dans quelques semaines un tout nouveau concept de streaming, mais je ne vous en dis pas plus, surprise. Nous nous ferons également quelques sessions DCS Fly Sim si ça vous branche, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires dans ce sens-là, et j'en tiendrai compte. Sur ce, comme toujours, je vous dis bonne course, et à bientôt.